Et salut salut à tous, ici Mister Reservoir Dogs, j'espère que vous allez m'écouter. Et bien moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour le petit tirage au sort, le petit concours que j'ai organisé il y a quelques semaines de ça, hein, au début du mois de décembre pour vous chers abonnés. J'espère que ça vous fera plaisir en tout cas. Donc j'ai attendu assez longtemps pour qu'il y ait un maximum de participants, et ça a été le cas, vous étiez assez nombreux à participer à son concours et ça fait franchement plaisir. Donc je vais un petit peu vous parler, vous résumer un petit peu les lots qu'il y a gagné pour ce concours, ce petit tirage au sort. Il y a donc Second Special Force sur PlayStation 3 et Gears of War 2 sur Xbox 360. Alors je ferai un petit tirage au sort, un troisième tirage au sort bonus pour les joueurs de Xbox 360. Alors ne vous sentez pas lésés s'il vous plaît, les joueurs de PlayStation 3, je vous expliquerai pourquoi et grâce à qui je fais ce troisième tirage au sort. Alors on se retrouve sur la liste des participants pour Second Special Force sur PlayStation 3. Alors bien sûr je prendrai le premier qui sera le grand gagnant et le deuxième qui sera le remplaçant de celui-ci au cas où le premier ne se manifesterait pas, pardon, j'en perds mon latin. Donc j'enverrai un mail via messagerie YouTube au grand gagnant. À tous les gagnants, hein, de toute façon, pour leur dire qu'ils ont gagné, et j'attends en retour bien sûr votre nom, votre prénom, votre adresse pour que je puisse vous envoyer votre gain. Allez, c'est parti mon kiki, je rampe de mise, bonne chance à tous. Alors le grand gagnant c'est Scarface02300 qui gagne donc ce Second Special Force, son remplaçant donc Shunga 2K11. Alors bien sûr je mettrai la liste des gagnants et des remplaçants dans le descriptif de la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc félicitations à toi Scarface02300. On passe maintenant sur la liste des participants pour Gears of War 2 sur Xbox 360. Pareil, même principe, un gagnant, un remplaçant. Voilà, je vous contacte hein, par messagerie YouTube, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Donc c'est Xevo974 qui gagne donc Gears of War 2, félicitations à toi, et son remplaçant Razy Gaming, au cas où ben, si Xevo ne se manifeste pas. Alors on va faire un petit retour en arrière, on va effacer Xevo car il a déjà gagné, et je vais vous parler un petit peu maintenant du troisième petit tirage au sort. Alors j'ai été contacté récemment par un recruteur d'un site qui s'appelle Sport Ladder 360. Donc c'est un site hein, qui est uniquement basé sur les compétitions de joueurs Xbox 360. Ils cherchaient donc des youtubeurs commentateurs pour le site. Il m'a expliqué un petit peu leurs projets, leurs ambitions. Et écoutez, ben moi ça m'a plutôt plu. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'aventure avec eux. Et suite à ça, il m'a dit ben écoute, j'ai vu que tu organisais un petit concours pour tes abonnés. Moi ce que je te propose, c'est de passer 2x800 points Microsoft que tu pourrais faire éventuellement gagner à tes abonnés. Donc écoutez, bien sûr que j'ai accepté, évidemment. Donc voilà, je vous fait ce petit tirage au sort pour que vous puissiez gagner 800 points Microsoft. Je trouve ça plutôt pas mal. Je garde 800 points de côté pour au cas où si j'organise un peu plus tard un petit concours, un autre tirage au sort. Donc voilà, faut pas être trop gourmand non plus. Allez, c'est parti pour les 800 points Microsoft. Bonne chance à vous. Alors c'est Zach Pepper qui gagne les 800 points Microsoft, bravo à toi. Je t'enverrai un petit message par YouTube, pareil, hein. Seulement là, bah, bien sûr je vais pas te demander ton adresse, je t'enverrai directement le code pour récupérer les 800 points Microsoft. Voilà. Donc je vais bien sûr remercier Sport Ladder hein, qui m'a passé ça, m'a passé les points Microsoft, sans qui j'aurais pas pu faire ce troisième petit tirage au sort pour vous faire gagner quelque chose. Et bien pour le remercier aussi, hein, je vais un petit peu parler de leur site, donc que j'ai intégré récemment, hein, j'ai intégré récemment l'équipe, en tant que youtubeur, voilà, en tant que youtubeur et commentateur. Donc comme je l'ai dit, ça c'est un site qui est basé uniquement sur les compétitions. Donc si vous avez une team ou même solo, c'est un site qui est fait pour vous si vous aimez les compétitions. Vous en avez un petit peu marre de jouer en réseau comme ça tout seul sans compétition. Si vous voulez qu'il y ait un petit peu un petit truc au bout. Voilà. Alors à savoir que il y a plusieurs ladders, plusieurs jeux. Donc on va cliquer sur ladder.
Et vous voyez que voilà, il y a plusieurs jeux auxquels vous pouvez faire des compétitions. Donc il y a du FPS, hein, il y a des jeux de sport, il y a des jeux d'arcade, hein, vous voyez, il y a vraiment pas mal de jeux. Donc si par exemple il y a un jeu qui vous intéresse et qui fait pas partie de la liste, il suffit juste tout simplement de vous inscrire sur le site, d'aller sur le forum qui est d'ailleurs très bien foutu, et d'en faire part à la team de Sport Ladder. Voilà, il suffit tout simplement d'aller dans, par exemple là, demande de ladder. Il y en a qui ont demandé, ben vous voyez, hein, par exemple un 2v2 sur FIFA. Voilà, un ladder sur du 2v2 sur FIFA 10. Et vous pouvez bah, demander n'importe quel jeu, et puis pourquoi pas aussi décrire un petit peu les règles du ladder qui vous intéresserait. Et là, après, ça sera la team de Sport Ladder, toute l'équipe de Sport Ladder, qui consultera votre demande et qui donnera son veto ou pas. Voilà. Donc, ça, je trouve ça très intéressant. Voilà. Pareil, hein, si vous cherchez une team, vous pouvez très bien trouver. Voilà, des joueurs, vous voyez, cherche une équipe, cherche plusieurs joueurs, si vous cherchez une team, pour participer aux compétitions que vous offre Sport Ladder. Alors, au niveau des compétitions, justement, y a un championnat, enfin, il y a plusieurs championnats qui sont mis en place. Il y a aussi, bien sûr, des tournois. Alors, par exemple, si je vais sur Modern Warfare 3, voilà, par exemple. Vous avez plusieurs ladders où vous allez pouvoir vous inscrire. Il y a du 1v1 en solo ou par équipe. Alors il suffit tout simplement bah, voilà, de cliquer dessus et de vous inscrire. Bien sûr, il faut être inscrit sur le site hein, pour pouvoir participer au ladder. Hein. Alors justement, en parlant de championnat, vous avez le championnat de Modern Warfare 3, un championnat en 4vs4. Je crois qu'il y a deux remplaçants aussi. Qui est un championnat gratuit, hein, faut quand même le savoir, gratuit où vous allez participer donc en recherche et destruction hardcore en 4vs4 et à la clé vous allez pouvoir gagner 500 euros cash à vous partager si vous gagnez le championnat. Donc à savoir 500 euros cash par 4, bon c'est quand même plaisant sachant que c'est gratuit l'inscription donc c'est quand même pas mal. Je crois qu'ils ont prochainement un championnat aussi où s'ils ont plus de je sais pas si c'est 80 teams inscrits ou un truc comme ça ou 80 personnes inscrites où il va y avoir un cash prize de 1000 euros donc pareil hein, ça sera gratos donc au niveau de l'inscription donc c'est quand même pas mal ainsi ce qui vous propose comme ça une compétition avec à la clé voilà gagner de l'argent à se partager avec les membres de votre team. Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi je suis rentré sur ce site, c'est pour faire des vidéos commentées, donc faire ce que je fais déjà un petit peu sur YouTube, et mettre par exemple, comme là j'ai mis par exemple une vidéo de test de Modern Warfare 3 en multijoueur, et ils m'ont dit aussi qu'ils avaient l'ambition avec d'autres youtubeurs, alors faut savoir qu'ils recherchent encore deux youtubeurs commentateurs, donc si vous êtes intéressé, bah, envoyez-moi un petit message par YouTube ou un petit commentaire, et j'en ferai part à qui de droit. Je pense qu'ils cherchent quand même des personnes assez matures pour faire partie du site et être un commentateur, un bon commentateur sur leur site. Donc vous voyez quelques vidéos qui sont déjà disponibles, il faut savoir que le site il est assez frais, il est je crois de juin ou juillet, je crois, de cette année 2011. Donc il est assez récent. Si vous voulez un peu plus de description sur le site, comment s'inscrire et tout ça, ou comment fonctionne le site, il y a AnakinSL360 hein, qui a mis des vidéos là, qui est aussi un youtubeur et qui décrit un petit peu justement tout ce qu'il faut savoir sur le site. Donc je mettrai aussi le lien de ces vidéos si vous êtes un peu plus intéressé par ce site. Voilà. Donc vous retrouvez sûrement aussi, hein, comme je l'ai dit, des vidéos commentées. On va essayer dans les années à venir, enfin les années à venir, qu'est-ce que je raconte? Peut-être dans les mois à venir ou je sais pas, avec d'autres youtubeurs, une fois que tout sera mis en place, de faire des vidéos commentées sur des matchs de team en live. Voilà. Donc ça c'est très intéressant aussi, je trouve. Donc voili voilou, hein, je vous ai un petit peu parlé de ce site en gros. Voilà, après, je vous ai dit au niveau des détails, ça fait pas longtemps que je suis rentré dans l'équipe, donc je connais pas tout. C'est pas spécialement mon boulot hein,
de vous parler de tout ce qui est tout ce qu'il y a sur le site, et je connais pas tout encore, et je connais pas tout le fonctionnement. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis là en tant que youtubeur commentateur. Alors, pour ceux qui diraient ouais, il est payé, tout ça, alors sachez que je ne gagne rien, je suis pas rémunéré par ce site. Moi, ce qu'il me propose, c'est de temps en temps, bah voilà, comme vous avez vu, me proposer par exemple des points Microsoft, ou pourquoi pas, ils m'en avaient parlé, m'envoyer de temps en temps, s'ils peuvent, par leur partenaire, m'envoyer des jeux que je pourrais utiliser. Alors, ça serait un prêt, hein. Il me donnerait pas les jeux. Il me prêterait des jeux pour faire des vidéos tests et des vidéos commentées sur ma chaîne. Donc, ça, je trouve ça plutôt plaisant pour les abonnés. Donc, voilà. De toute façon, dans tous les cas, sachez que si il m'envoie des jeux, ou que voilà, il me passe des jeux, qu'il me donne des jeux, sachez que je ferai des concours pour que vous puissiez les gagner. Je garderai rien pour moi personnellement. Croyez-moi. Voilà, je privilégie d'abord les abonnés, ça c'est clair et net. Donc voilà, je crois que j'ai un petit peu tout dit. Je voulais encore féliciter tous les gagnants. Merci d'avoir participé au jeu concours. Merci à Sportleader 360. Si vous êtes intéressé, bah pareil, je mettrai le lien du site dans la description de la vidéo. Si vous voulez vous inscrire sur le site, n'hésitez pas. Je pense que c'est un site qui a de l'avenir. Voilà. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde. Ciao, ciao.